bienvenue à tous. Ok, donc on est parti sur une longue prépa, les gars, 68 jours avant le premier match contre les Blacks. Donc là, on vous a donné des programmes individualisés pour les non-qualifiés, les quarts de finalistes, les demi. Okay, l'objectif, c'est de ramener les finalistes sur la programmation d'entraînement collective à partir de lundi prochain. La préparation de la Coupe du Monde, elle ne se fait pas uniquement quand on est sur le site comme on vient d'arriver à Monaco. Elle s'est fait en amont aussi sur ces 4 années, mais aussi sur la transition entre la fin du top 14 et le début de la préparation de la Coupe du Monde. Le tout premier jour, je pense que je n'étais pas préparé mentalement à ce niveau d'intensité. Au physique, j'ai vomi, etc. Ouais, j'étais vraiment pas prêt. C'est la première fois que je vis un truc, une préparation qui est aussi précise dans toutes les datas, dans toute la récupération, la nutrition, etc. etc. Donc moi j'adore, je prends énormément d'expérience là-dessus. Moi là je suis à bout. 108, 7, 8, 9, 109. Ça bouge pas. Mmh. Ouais, là, on vérifie les poids, parce qu'il y a il peut y avoir des variations importantes, en plus dans ces conditions climatiques avec des fortes chaleurs. Donc, c'est bien de vérifier les évolutions pour pouvoir réguler. Et ce matin, on fait aussi des tests d'hydratation. Donc, on fait des recueils d'urine qui va nous permettre d'évaluer l'état d'hydratation, ce qui permet d'adapter les conseils nutritionnels pour la journée d'entraînement cardio. Il y a beaucoup de détails aussi avec le staff médical, la partie diète aussi, les prépas physiques. Donc voilà, c'est des gens qui sont dans l'ombre, mais qui nous font beaucoup de bien, qui nous font bien travailler, bien manger, qui nous soignent aussi très bien. Donc voilà, c'est ce qui permet aussi d'être performant sur le terrain. Théorème, ça va? Et ouais. Collectivement, c'est quoi les clés pour nous pour qu'on réussisse bien? Je sais pas, mais si on a trouver une bonne cohésion, on l'a déjà quand même, puisque le groupe est quand même plutôt stable depuis pas mal de temps. Donc, mais c'est encore une fois renforcer cette cohésion. Comme je te dis, dans les moments durs de prépa, c'est là où on va pouvoir justement se resserrer, tout se tirer vers le haut, et je pense que c'est ça qui va nous aider aussi sur les matchs de Coupe du Monde, où quand ça va être dur, de pas lâcher, de s'entraider, de rattraper les mecs. C'est un peu ça, en fait, c'est un peu à ça, c'est la prépa physique. Au-delà d'être prêt physiquement, c'est aussi de se recentrer sur nous-mêmes, de s'entraider. Ouais. Je veux expliquer exactement ce que je veux contre le dos tactique pour. Pour le cas de France, nous avons zone defense, pas home contre home, zone defense. Vous avez la responsabilité pour votre espace, ok? Donc, c'est évident ici, c'est que changer la zone ici, ok? Donc, le dernier point. Je veux la première action, tu dois. Après, peut-être feu, ou après, peut-être 45. Ok, donc la première action, tu dois. C'était assez court, intense, physique, c'était rythmé, donc c'était pas des séquences de 2 heures, mais c'est des physiques qui duraient entre 25 et 30 minutes, qui sont assez courts en apparence, mais qui sont durs physiquement, donc c'est des choses qui sont pas forcément les plus marrantes et les plus rigolotes à faire, mais il faut en passer par là si on veut être prêt physiquement. Je pense.
pensais qu'il faisait ça avec le ballon ovale, quoi. Un ballon rond, c'est pas facile. Ah, t'as le droit de... Tu peux toucher deux fois le ballon. Ouais. C'est pas logique, ça. Ah, régale-toi. Ouais, j'ai dit oui. Ah, c'est une touche. Oh, super. Je vois, tu... Nico. Attends. Tranquille, on va préparer le. Oh, hey, excuse-moi, elle était pas trop. Merci pour le caviar. Il a vu que, qu'on était peut-être pas les plus doués au tennis ballon, mais après qu'on travaillait quand même beaucoup physiquement, beaucoup sur le terrain. Et ça, je crois que ça l'a un peu impressionné parce qu'il nous l'a répété plusieurs fois que, qu'on travaillait énormément la journée. Donc voilà, c'était quelque chose qui l'a marqué. On est dans un endroit où il fait très chaud, donc il n'y a pas besoin d'avoir des échauffements qui soient très longs et très intenses, parce que bah, les joueurs sont à température déjà quand ils arrivent. Donc on peut se permettre d'avoir des échauffements ludiques avec un petit peu badminton, du foot. Ça nous permet d'avoir des joueurs qui sont enthousiastes, et parce qu'ils savent très bien que après ces 5-6 minutes ludiques, ça va piquer terrible. Attention! Facile. Les gars, on vous demande pas de vous gérer, on vous demande de vous envoyer. Dernier. Allez. La vitesse, accélération. Vite au sol, vite debout. Déjà, merci à toi, Fabien, pour l'invitation, à tout le staff. Et c'est sincèrement un privilège pour moi d'avoir pu passer cette journée en inside. Déjà parce que j'ai un attachement par rapport au rugby, de par mes origines basques et mon enfance, où j'ai joué un petit peu, pas suffisamment quand même, puisque j'ai basculé sur le ballon rond. Mais voilà, c'est des moments privilégiés. J'ai pu mesurer depuis ce matin tout ce que j'ai pu voir, la solidarité sur les exercices, sur les tests, qui ne sont pas des moments forcément où on prend beaucoup de plaisir, si ce n'est l'envie de se faire mal. Et ça, vous l'avez tous en vous, parce que c'est l'exigence du rugby, cette force collective, en plus des talents individuels, mais la force collective. Et moi, j'insiste beaucoup avec les miens là-dessus. Peu importe, même si j'ai des phénomènes, certains, mais ils s'inscrivent dans un collectif, et la force collective sera toujours plus forte que la force individuelle. Après, aussi, il y a certains d'entre vous qui sont capables, sur un geste, de pouvoir faire la différence. Mais voilà, la notion de groupe, de solidarité, c'est quelque chose qui est fabuleux. Merci pour cette journée. Ça va.
Bonjour les gars. Allez la France. On va avoir l'équipe de France. Puis je vais essayer de reproduire les entraînements. Deux semaines dans la raquette. Et merci beaucoup en tout cas de votre implication. C'était vous avez défilé comme des ânes. Les gars, ce que vous avez fait là, magnifique. Là, vous dégonflez, tranquille. Vous allez faire ce que vous avez à faire sur les programmes. Et attendez-vous encore une grosse semaine au CNR. C'est le dernier moment où on va se séparer longtemps. Après, il y aura un petit moment après le match amico. C'est vraiment le dernier moment où bon, mais il y a 9 jours de libre dans cette histoire-là. Mais on se sépare, donc on coupe sans trop se séparer. Sans trop se séparer, parce qu'on a un objectif. On a un objectif qui est très clair. Donc c'est Charles Pépin, le philosophe, qui est venu nous voir, qui a déjà passé du temps à nous, qui a écrit une page en fait. Il nous raconte, à sa façon. Une belle équipe, c'est plus qu'une somme de talent. Ce n'est pas une somme de talent. Une belle équipe n'est pas une addition, mais une mission. Il faut sortir de l'arithmétique pour comprendre ce qu'est une belle équipe. Sortir de l'arithmétique et entrer dans le mystique. Que chacun ne soit pas lui, mais plus que lui. Les yeux tournés vers l'horizon. Que chacun ne soit pas lui, mais aussi moins que lui. Capable de s'oublier pour que vive le collectif. De s'oublier, de s'effacer, ou au moins de se mettre à son service. Une somme d'ego ne sera jamais qu'une somme d'ego. Que chacun s'aime moins que le collectif. Que chacun ait confiance en un groupe davantage encore qu'à lui-même. Voilà le secret des grandes équipes. C'est la vérité même de l'être ensemble. Mais, dans une époque qui nous demande sans cesse d'être nous-mêmes, savons-nous être encore ensemble ?